Pour cette finale des courses école de trot de la FASEC, le CEDJ avec le leader hein, qui va jouer son rôle impact fixe avec Mathieu Abrivard qui emmène le peloton. Et parmi les mieux partis, on retrouve Joyeux Mélois numéro 10 associé à Mathéo Wall et également Fluo Mélois numéro 4 Estelle Briffaud. On voit qu'il y a des écarts importants et Rodelpa est plutôt bien parti en compagnie également d'une Kazakh bleu foncé hein, qui prend pour l'instant un départ correct. On voit qu'il y a une cassure ensuite. On le retrouve Hymne du Gers, le numéro 5 qui vient pour l'instant 6-7e. Il y a quatre concurrents hein, qui se détachent derrière, évidemment, le leader. Les deux pensionnaires, hein, d'ailleurs, de Pierre Beloche sont là, Fluo Mélois et Joyeux Mélois, qui sont très bien positionnés, tout comme Héro Delpa, également bien positionné depuis le départ, le numéro 7, Jalisco Flini, et vient ensuite, et Emmanuel Dugers hein, essaie de recoller au peloton, alors que les concurrents passent devant les tribunes. Ouais, Estelle Briffaud, qui est en selle, qui est au sulky, pardon, du numéro 4, Fluo Mélois. Attention, qui vient, faut pas dépasser l'as. Hein. Ouais, qui vient à l'extérieur du leader, et Joyeux Mélois, Mathéo Wall, qui reste toujours en troisième position avec Héro Delpa qui suit toujours quatrième. On a également Jalisco Fini et Angelo Roquin qui vient pour l'instant en 4-5e position. Devant encore Hymne du Gers avec Hector Le Belair, un peloton un petit peu en file indienne, hein, même si à l'extérieur, Fluo Mélois, Estelle Briffaud qui reste toujours en dehors. Ouais, Fluo Mélois en dehors de Joyeux Mélois qui est bien calé derrière le leader côté corde, avec Héro Delpa qui suit facilement, le numéro 7, Jalisco Flini, Angelo Roquin qui vient ensuite, Hymne du Gers qui s'annonce également un tout petit peu plus loin et on voit une casaque écartelée noire et orange, c'est le Ipsy Job à l'arrière-garde. On a notamment hors piste côté. Ouais, le numéro 2, Juvamine Renardier avec Paul Develli qui va peut-être essayer de se rapprocher. Hein, ouais. C'est numéro 2, Juvamine Renardier qui est en train de quitter l'arrière-garde devant toujours Impact Fixe et Mathieu Abrivard qui emmène le peloton et conduit notamment hein, par les deux atouts de Pierre Beloche à l'extérieur, Fluo Mélois, Estelle Briffaud et à la corde, Joyeux Mélois avec Mathéo Wall en troisième position. On retrouve toujours Héro Delpa, les positions qui n'ont pas changé avec également Jalisco Fini, le numéro 7 qui vient sur une 3-4e ligne côté corde. À l'extérieur, Juvamine Renardier continue son rapproché, Hymne du Gers par le jeu des relais, se retrouve en avant-dernière position à cet instant, compagnie du numéro 6, hors piste cossé. Et voilà, Mathieu Abrivard, le leader, qui vont laisser ces jeunes pousses en découdre, en pleine montée, avec le dépensionnaire de Pierre Beloche, qui accélère. Joyeux Mélois, côté corde, avec à son extérieur, le numéro 4 également, qui se défend très bien, c'est Fluo Mélois. Héro Delpa, un bon parcours, et on se rapproche à l'extérieur avec plusieurs concurrents. Hymne du Gers, hein, et pour l'instant, à l'arrière-garde, alors qu'on arrive à l'intersection des pistes. Et les deux chevaux entraînés par Pierre Beloche, qui sont aux deux premières place, Joyeux Mélois à la corde, Mathéo Wall à l'extérieur, Fluo Mélois, Estelle Briffaud et en troisième position toujours Héro Delpa et Liane Ménage. On a également Juvamine Renardier avec Paul Develli qui vient 3-4e côté corde, Jalisco Flini avec Angelo Roquin qui va tenter de jouer un rôle. On a également Ipsy Job, le numéro 3 Camille Houdeline et puis Hymne du Gers qui se retrouve toujours à l'arrière-garde, hein, qui va falloir sortir le grand jeu avec Hector Le Belair, phase finale. Joyeux Mélois et Mathéo Wall qui a l'avantage, qui semble contrer l'attaque de Fluo Mélois, mais voilà maintenant Hymne du Gers, Hector Le Belair incroyable, des derniers peut-être au premier rang. Phase finale maintenant, rien n'est fait. Hymne du Gers tout à l'extérieur qui est en train de passer la surmultipliée à la corde. Joyeux Mélois avec Mathéo Wall, mais tout en dehors. Hymne du Gers, Hector Le Belair qui est en train de terminer fort avec Jalisco Flini et Angelo Roquin. C'est très serré pour la victoire avec Jalisco Flini, Angelo Roquin face à Hymne du Gers. C'est finalement Jalisco Flini et Angelo Roquin qui remporte cette finale des courses école de trot de la FASEC. Hymne du Gers termine à la deuxième place. Et c'est le numéro 7 hein, qui s'impose ici, Jalisco Flini Marine qui l'emporte dans cette compétition. Le numéro 7, donc Jalisco Flini qui l'emporte, son apprenti le bras levé au passage du poteau devant Hymne du Gers qui prend la deuxième place, la troisième place pour le numéro 10, Joyeux Mélois, et la quatrième pour le numéro 3, Ipsy Job. C'est bien Angelo Roquin qui s'impose au sulky de Jalisco Flini pour l'entraînement de Franck Leblanc. Un moment forcément très fort pour ces 10 jeunes drivers qui étaient en lice. Ce sont les 10 meilleurs, ceux qui ont couru plusieurs courses cette année, qui ont réussi à se qualifier pour cette finale et remporter ce soir la finale devant le public de Paris-Vincennes sur cette piste mythique. C'est un moment absolument fabuleux et ce moment, nous allons le prolonger avec une superbe remise des prix. À nouveau, je vous invite à rester dehors avec nous, à rester près du podium. Il ne pleut pas, la météo quelque part n'est pas si mauvaise avec nous ce soir. Alors venez, venez leur faire vivre un moment hors du temps. Venez parce que peut-être que ce sont eux qui seront les professionnels de demain, c'est ce qu'on leur souhaite. Peut-être qu'ils seront nos champions de demain. Et nous, on pourra dire, on y était. Nous les avons vus triompher pour la première fois sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous étions là à leur début.
et ce sera assez chouette. Alors on se retrouve donc pour une magnifique remise des prix. La finale des courses à Fasec est donc remportée par Angelo Roquin et Jalisco Fini pour l'entraînement de Franck Leblanc. Et on va faire plus ample connaissance, bien sûr, avec ce lauréat.